Salut tout le monde, ici Renaud Lafort pour la Zoo Télé et je suis présentement au studio Juste pour rire pour voir le conte de Scottstown. Une pièce qui sent la bière, le pot et les Doritos. Présentement, je ne sens pas la bière, ni le pot, mais il y a une petite odeur de Doritos. Faut que je vous le dise, là, à flash en crisse son éconolène, OK? En avant, là, sur le hood, il a comme fait peinturer une femme, de même, avec des hosties de plomb, un top de bikini Budweiser, une bière dans une main, un fouet dans l'autre, les jambes écartées, puis un serpent qui sort de la pelote. C'est vraiment beau. Je pense que les gens, à un moment donné, ont saisi le genre de choses que je faisais, puis tu sais, ça s'est mis à écouter, puis non, je suis bien content, puis ça s'est bidonné fort aussi, fait que ouais, je me suis bien amusé. Je le sais comment me rendre là, mais quelqu'un qui est jamais allé, il a pas besoin de carte. T'as rien qu'à y dire, pogne l'autoroute de la Beauce, la 73, suis l'odeur de marde, puis tu vas te rendre. T'sais, tu vois des gens qui font « non, t'sais, qui ont envie de faire « je viens pas d'entendre ça ». On accepte au cinéma qu'il y a de la science-fiction, qu'il y ait des trucs qui sont impossibles. Ben pourquoi il y en aurait pas dans des histoires très, très quotidiennes du Québec un espèce de côté fantastique, mais en même temps un côté fantastique très, très terre-à-terre. Je veux dire, ce gars-là, il est très terre-à-terre, tu sais, quand il parle au diable, puis il parle, tu sais, il l'envoie chier, tu sais. Ils vendent du fort, de la bière, puis ça t'aide pas avec les cartes, puis les t'as-tu l'âge, t'as-tu pas l'âge. Non. Tu files pour te saouler, puis t'as de l'argent. Quand même, t'aurais 7 ans et demi, tu rentres sans problème. Puis comment t'as trouvé ça? Ah, c'était parfait. Surtout la partie où tu pognes un œuf, puis tu le crises dans le crête. C'est épatant comment il peut parler, raconter aussi longtemps, tout se souvenir de son texte. Ça a l'air d'un gars qui vient de la région puis qui sait pas parler, mais en même temps, il y a de l'humour. Ça donne le goût d'aller à Scottstown puis boire un coup avec. ZooFest!